Kindomba. We, hallelujah, ministries. Glory to Jesus. Glory to Jesus. Glory to Jesus. Hallelujah, hallelujah. Hallelujah. Je vous prie de reprendre vos places. Please, you may be seated. Je suis venu particulièrement ici. I came in particular here. Pour comprendre ce qui se passe. To understand what is taking place. Dans l'histoire de l'Église en Afrique. Et particulièrement ici en Afrique du Sud. In the history of the church. In Africa, but in particular here in South Africa. Ce qui se passe dans cette église. What is happening and taking place in this church? Sous le leadership de Pasteur Alpha Lukau. Under the leadership of Pasteur Alpha Lukau. C'est une grande indication pour nous. It is a great indication or sign for us. De comprendre. To understand quelle direction que l'Église doit prendre. Which direction should the church take? Et particulièrement. And in particular, cette Église. This church. Ce ministère. This ministry. Est à la croisée de chemin. Is at the crossroad. Et il est important. And it is important que nous puissions comprendre that we may understand que l'avenir de l'Église that the future of the church dépendra de l'attitude que cette Église aura. The future of the whole church will depend on the attitude that this church in particular will take. Hier, dans la Bible, on pouvait parler de l'église de Jérusalem. Yesterday in the Bible, we could speak about the church of Jerusalem. Aujourd'hui, on peut parler d'Alléluia Ministries. Today, we can speak of Alléluia Ministries. Le pasteur Lukau que moi je connais. Pastor Lukau that I know. Ce n'est pas celui dont on est en train de me parler. Is not the one they are speaking to me about. Celui que moi je connais. The one I know. Je n'ai jamais attendu un scandale dans sa vie. I've never heard of a scandal in his life. Celui que moi je connais, the one I know, il peut rester 48 heures à genoux en train de supplier Dieu. Can remain for 48 hours on his knees praying to God. Et c'est celui que je garde dans mon cœur. And that is the one I have in my heart. Et c'est lui que je crois. And he's the one that I believe. Dieu place ses serviteurs. God places his servants. Dieu les honore. God honors them. Sinon, or else, la Bible n'allait pas porter le nom des hommes et des femmes. Or else the Bible would not have carried the name of men and women.
On pouvait dire, it could have been said, Dieu 1, Dieu 2, Dieu 3, jusqu'à Dieu 66, parce qu'il y a 66 livres. God the first, the second, up to 60, God 66, because there are 66 books. Mais Dieu place les noms des hommes pour porter sa parole, Timothée, but Esther, God places men to carry his word, Timothy, Matthew, Esther, Matthew, Titus, Ruth. Ruth. C'était des êtres humains comme toi et moi. Those were human beings like me and you. Et Dieu les a honorés. And God has honored them. Pour qu'ils portent les livres divins. So that they may carry the divine books. J'aime I love votre pasteur. Your pastor. J'aime votre pasteur. I love your pastor. Quand je l'ai vu, j'ai dit, je ne suis pas venu pour ton église. When I saw him, I said, I did not come for your church. Ni pour ton ministère. Nor for your ministry. Je suis venu pour toi. But I came for you. Je l'ai dit. I said it. Nous allons jamais permettre de te perdre. We will never allow for him to be lost or to lose him. Jamais. Never. Jamais. Quel que soit ce qui peut arriver. No matter what could have happened. Je l'ai connu très jeune. I've known him very young, since he was young. Très jeune. Very young. Très jeune. Very young. Il a repassé mes habits. He has ironed my clothes. Il a repassé. Je vais aller prêcher. When I'm about to go preach, il prend mon pantalon. He will il take repasse. My pants. Iron it. Vous savez, lorsque vous voyez quelqu'un, you know, when you see someone, et vous ne connaissez pas son histoire, and you know, don't know the history or the story, on peut se permettre à dire beaucoup de choses. You can speak whatever you may think. Mais Alléluia Ministries, but Alléluia Ministries, vous êtes à la croisée de chemin. You are at the crossroad. Mais qu'est-ce qu'il faut? But what is required? Lorsque nous sommes à la croisée de chemin. When we find ourselves at the crossroads. Cela est vrai pour l'église. That is true for the church. Cela est vrai pour notre pasteur. For our pastor. Cela est vrai pour le ministère tout entier partout dans le monde. That is true for the Alléluia ministry. All over the world. Cela est vrai pour ces pays. That is true for this country. Nous sommes à la croisée de chemin. That we are at the crossroad. Et l'attitude, la décision, le comportement que nous aurons à ce moment, and the attitude, the behavior that we're going to have at this moment, va déterminer le reste. Will determine the rest. Le reste. The rest. L'onction nous en avons. The anointing we have. La parole nous en avons. The word we have it. La renommée internationale nous en avons. The international renown we have it. Mais il y a une chose pour laquelle nous allons demander à notre apôtre. But there is one thing for which we're going to ask notre of our apostle, pasteur, our pastor, notre homme de Dieu, our man of God, l'ange de cette église, the angel of this church, de demander à Dieu pour nous, to ask God for us. C'est cette chose-là dont je vais parler maintenant. That is the thing I'm going to talk about now. Dans mes 42 ans du ministère, in my 42 years of ministry, J'ai vu beaucoup de choses. I've seen many things.
Je vis des grands ministères. I've je seen vis great des ministry. Grandes sommes. Great men. Je vis des hommes riches. I've seen rich men. Je vis des femmes trop belles. I've seen very beautiful women. Je vis des politiciens être hissés au pouvoir. I've seen politicians rising into power. Mais parce qu'ils ont manqué cette chose-là. But because they lacked this thing. À la croisée de chemin. At the crossroad. Ils ont tout perdu. They've lost it all. Cette chose. This thing. C'est la sagesse. Is wisdom. C'est la sagesse. It is wisdom. Je ne suis pas très intelligent plus que le pasteur Flavien. I'm not as intelligent as Pastor Flavian. Je ne pourrais pas bien définir la sagesse. I can't really properly define wisdom. Le proverbe me donne quelques indications. Proverbs give me a few indications. Il dit, it la says, sagesse wisdom a été la première chose que Dieu a créée. It has been the first thing that God had created. Avant que le monde existe, les firmaments, les étoiles, before les êtres the world humains, could exist, the stars, la faune, flore, the fauna and the flora, tout ce qui existe, everything that exists, la première de choses, the first thing qui appartient à Dieu, that belongs to qu'il God, a créé, that he created, la Bible dit il est à la croisée de chemin. The Bible says at the crossroad, il est sous la montagne. Is on the mountain, il est sur le chemin. On the road, il se tient sur, elle se tient sur la porte. It is at il n'y a the pas door, un endroit, un compartiment. There is no compartment, a place où on n'a pas besoin de sagesse. Where wisdom is not needed. C'est la sagesse. It is qui wisdom fait que un pasteur that makes a pastor devient un homme de Dieu. A man of God. C'est la sagesse. It is wisdom qui fait qu'un politicien that devient makes a politician un homme d'État. Becomes a man of state. C'est la sagesse it is wisdom qui peut faire qu'une femme devienne une épouse. That can make a woman become a spouse or a la wife. Beauté peut donner le mariage. Beauty can give les marriage. Élections peut donner le pouvoir. Elections can give power. Mais rester, but to remain, ça exige requires la sagesse. Wisdom. C'est comme ça, il est important. That is why it is important. Même si je ne sais pas la définir. Even if I cannot define it. J'ai quelques indications. I have a few indications. Alléluia ministries. A few tips. Alléluia ministries. Écoutez-moi très bien. Listen to me carefully. Première chose. The first thing. Je peux que vous dire merci. I can only thank you. D'être autour de votre pasteur. For being next to your pastor. Merci. Thank you. Mais dans cette période, but in this time, qui a l'air d'être une période de transition, that seems to be a time of transition, pour aller encore à des choses qui vont éblouir le monde, to go into things that would dazzle the world, les choses qui vont encore scandaliser et étonner, things will amaze and scandalize the world, les choses qui pourront même pousser les gens viennent prendre l'homme de Dieu et dire sors d'ici. Things that will even take man and take the man of God and tell him to get out of here. Ces choses-là. These things. Ça exige de notre part. Require from us. Tous ensemble. All together. D'être sage. To be wise. Il y a une loi en théologie. There is a law in theology. On appelle ça la loi de la première mention. It's called the law of the first mention. Pour la première fois, for the first time, un mot est utilisé dans la Bible. A word is used in the Bible. Va
déterminer sa compréhension dans le reste. It will determine its understanding for the rest throughout. Et dans la Bible, and the, in the Bible, la première fois que le mot sagesse a été utilisé, for the first time the word wisdom was used, nous le trouvons dans Exode. It is found in Exodus. C'est la première fois. It's the first time. S'il te plaît, apôtre, please, apostle, tu demanderas à notre à ton Dieu, will you ask your God, de nous accorder la sagesse, to give us, grant us wisdom. Vous savez, quand quelqu'un roule en moto, you know, when somebody is on a motorcycle, ou en vélo, or on a bicycle, ou une petite voiture, or in a small car, lorsqu'il veut virer pour prendre un autre chemin, when they want to take a turn to another road, il ne fait pas trop attention. They don't really pay mind. Mais si quelqu'un conduit un gros camion, but when someone is driving a big truck, lorsqu'il veut prendre un autre tournant, when they want to take a turn and make a turn, il ne va pas se comporter comme quelqu'un qui est en train de conduire une moto, un vélo. In the same way, ici, someone driving a bicycle, ce n'est pas car, un vélo. This is not a bicycle. Ce n'est pas une moto. It is not a motorcycle. Ce n'est pas une petite voiture. It is not a small car. Je n'ai derrière. Behind. C'est un grand cargo. It's a great shipment. De ça. Of souls. Des hommes et des femmes, of men and women, du monde entier, throughout the world, et Dieu a placé and God quelqu'un pour conduire cela. Has placed someone to drive et là, them. Nous devons tourner, mes bien-aimés. And now we're about to make a turn. Nous n'allons pas nous comporter comme tout le monde. We cannot behave like everyone. Nous ne devons pas nous comporter comme tout le monde. We cannot behave like everyone. Si nous lisons Exode chapitre 36, when you read Exode chapter 36, je crois que ça se trouve là, Exode chapitre 36, Exodus, pour la première fois. Chapter 36. Le mot sagesse est utilisé dans la Bible. C'était dans quelles circonstances? Where the first time the word wisdom was used in the Bible? C'est ce que Dieu nous demande. This is what God is requiring. La Bible dit Bezalel. The Bible says Bezalel. Oliab. And Olahab. Et tous les hommes habiles. And every gifted artisan, et que l'Éternel avait mis de la sagesse, in whom the Lord had put wisdom, la vision vient de Dieu, vision comes from il God, il communique à Moïse, he communicates it to Moses, mais il doit y avoir des exécutants, but it has to be people to execute, ceux qui doivent rendre ça palpable, those who have to make it tangible. Qu'est-ce que Dieu le donne? What does God give you? Quelle est la chose que Dieu les a équipés? What has God equipped them with? Pour construire, to build, le tabernacle, the tabernacle, là où Dieu va habiter where dans God son Shekinah. Will live in his Shekinah Dieu glory. N'a pas donné l'argent. God did not give them il money. N'a pas donné autre chose. He did not give them anything else. Il a donné de la sagesse. But he gave them wisdom. Donc je comprends. So I understand by this, la sagesse, that wisdom, c'est lorsque quelqu'un décide de construire, is when someone decides to build, pas détruire, not destroy. La Bible dit the le Bible fou, says, the foolish, le fou, the foolish, le fou, c'est ça le a, mot, a le madman, fou. Yes. L'insensé, the foolish man, il détruit avec ses propres will mains, destroy with his own hands. Mais la femme sage, but a wise woman, vous allez voir dans ma Bible, you see in the Bible, parle de la sagesse, everywhere they speak of wisdom, c'est toujours en rapport de quelqu'un qui est en train de bâtir. It is always in relation with someone who is building. Si tu es dans cette église, if you are in this church, et ceux qui nous en écoutent, lorsque tu es dans l'entreprise, when you are in this entity, de détruire, to destroy, par des paroles, through words, par ton attitude, through your attitude, par ce que tu fais, through what you do, la Bible t'appelle un fou, the Bible calls you un insensé, a man without mais wisdom, celui qui décide malgré tout
chose qui peut arriver, that the one who decides despite it all, à construire, I am called to build, à bâtir, to build, pas à détruire, not to destroy. La Bible dit celui-là est sage. The Bible says that that one is wise. Donc pour la première fois, so for the first time, la sagesse, wisdom, a été dit dans la Bible, has been mentioned in the Bible. C'est pour construire. It was to build. C'est pour bâtir. To build, to construct. Tu peux avoir des milliards. You can have billions. Des rentes, des of dollars. Of dollars. Mais si tu n'es pas sage, but unless tu you détruis. Are wise, you will tu peux avoir toute l'onction du monde. You can have all the anointing si of the world. Sage, but unless you détruis. Are wise, you will destroy. Tu peux être le plus intelligent. You may be the most intelligent. Si tu n'es pas sage, but tu unless détruis. You are intelligent, c'est you will destroy. Humblement, je demande à l'ange de l'église. That is why wise humbly I require derrière son the angel of the church. Que Dieu répande la sagesse. May God spread his wisdom. Parce que nous en avons besoin. Because we need it. La Bible dit, the Bible says, l'Éternel avait mis de la sagesse, the Lord has put wisdom, et de l'intelligence, and understanding. Ça c'est la première indication. That's the first sign. Proverbe chapitre 14 verset 1er. Proverbs chapter 14 verse 1. Proverbe. Proverbs chapitre 14. Chapter 14. Je suis en train de chercher de nous dire, I'm trying to tell us, que le révérend Jean Bosco ne connaît pas la définition de la sagesse. That Reverend Jean Bosco does not know the definition of wisdom. Mais il constate simplement, but only he notices, partout he realizes, où il y a la sagesse, that everywhere wisdom is il mentioned, est question de construire. It is always about building. De construire. Building. De construire. Building. Proverbs. Chapitre 14. Chapter 14. Vous êtes là? Are you there? Alors lisez-le ensemble avec moi. Let's allons-y. Read together. Qu'est-ce qu'on dit à haute voix? Aloud, let's read. Tous ensemble à haute voix. The wise woman builds her house. On dit la femme sage. It is said that voyez, the wise woman. Partout il y a question de la sagesse. Everywhere it is about wisdom. Il s'agit de bâtir. We talk about building. Il s'agit de construire. It is about constructing. Si je détruis. If I destroy. Ce que je dis. What I've said. Je ne suis pas sage. Through what I've said, then I'm not wise. Comment on saura que je suis sage? How will it be known that c'est lorsque I am je wise? Construis. It is when I'm built. C'est lorsque je bâtis. When I construct. Comment on saura que je ne suis pas sage? How will it be known that je I am not wise? Fou, that I am foolish without c'est wisdom. Lorsque je détruis. It is when I destroy. Regardez cette œuvre grandiose. Look at this beautiful work. Les malades sont guéris. Sick people get healing. Les morts sont ressuscités. The dead come back to life. Les miracles s'accomplissent d'une manière extraordinaire. Miracles happen extraordinarily. Nous devons nous tenir. We have to hold each other. Pour bâtir, to build. Pas pour détruire. Not destroy. La femme sage, a wise woman, bâtit, builds sa maison, her own house. Mais, but, continuez, but what? But the alors, foolish. But what? The foolish pulls it down with her hands. La folle. The foolish. La détruit. Destroys avec it ses propres with mains. Her own hands. Il y en a ceux qui détruit avec les mains. There are those who destroy through the hands. Il y en a ceux qui détruit par des commérages. Others through slandering. Il y en a ceux qui détruit par la jalousie. Others do it through jealousy. Il y en a ceux qui détruit par la méchanceté. Others do it through wickedness. Il y en a ceux qui détruit par la médisance. There are those who do it through bitterness. Il y en a ceux qui détruit par l'intox. And others do it through intoxication. Il y en a ceux qui détruisent par des fake news. And others do it through fake news. Il y a plusieurs manières de there détruire. Are many ways to destroy. Et la Bible ne donne pas un autre nom. And the Bible does not give another quel que name. Soit les titres, no matter the title. Lorsque tu te mets à détruire. When you get up and destroy. Que tu sois journaliste. Whether you're a journalist. Que tu sois pasteur. Or a pastor. Dieu t'appelle complètement, tu es fou. God simply calls you foolish and without wisdom. Chose. There are no other words.
Lisons encore Proverbe chapitre 9. Let's read Proverbs chapter 9. Le pasteur qui vous prêche ne connaît pas la définition de la sagesse. The pastor preaching to you does not know how to define wisdom. Il n'est pas assez intelligent pour connaître la définition de la sagesse. He's not that intelligent to know Mais the definition of wisdom. Simplement But simply he's noticing que partout on parle de la sagesse that everywhere wisdom depuis is que cela a été utilisé pour la première fois. Since that was used for the first time, c'est toujours it is always pour construire in relation to building and construction. Qu'est-ce que Proverbe 9, chapitre 9, verset 1 nous dit? Allons-y. Proverbs Qu'est-ce 9. Qu'est-ce que nous dit? What does it say? À haute voix, allons-y tous ensemble. Wisdom has built her house. Il dit, la sagesse fait quoi? It says wisdom does what? Non, qu'est-ce que la sagesse fait? What does wisdom do? Non, non. Qu'est-ce que la sagesse fait? Posez-les la question. What does wisdom do? Posez la question à ton voisin. Ask your neighbor. Bâtis ou tu détruis? Are you building or destroying? Posez-lui la question. Ask your neighbor the question. Are you building or are you destroying? Quand tu es venu ce soir, when you came here tonight, c'est pour bâtir, was it to build or to destroy? Et la Bible n'est pas gentille avec toi. And the Bible is not Lorsque kind, tu détruis, when you destroy, il t'appelle insensé it calls et fou. You foolish. Si tu as un master, or if you have a master's, master, they'll call you, mais en folie. You have masters in foolishness. Et la sagesse, it is said that wisdom, la sagesse, wisdom, bâtit sa maison, builds her house. Vous savez, la maison c'est l'une des choses. You know, a house is one of these things. Tu peux voyager. You can travel. Quand tu reviens, and when you come back, elle est là. It is there. Tu vas au travail. You go to work. Tu reviens. You come elle est là. The house is there. Quand les gens te critiquent ailleurs. When people criticize you, tu rentres chez toi, la maison ne dira pas, n'entre pas. The house will never tell you, don't come in. Même lorsque tu es sale. Even when you are dirty. La maison ne te refusera pas d'entrer. Your house will never reject you. Mais on dit c'est lui qui est fou. But it is said that the one that is foolish. Il détruit sa maison. Destroys their own house. Ça c'est notre maison. This is our house. Ça c'est notre maison. It is our house. Quel que soit ce qui nous arrive. No matter what happens to us. Un jour. One day. Paul et Silas. Paul and Silas sont jetés en prison. Are thrown in prison. C'est pas parce que it is not because ils avaient fauté. They did wrong. Ou ils ont fait quelque chose de mauvais. Or that they did something wrong. Mais parce qu'ils ont délivré une femme qui avait l'esprit de Python. But it's because they've set a woman free that had the spirit of Python. Dis à ton voisin, ces histoires ont commencé depuis longtemps. Tell your neighbor this thing started long ago. On va l'arrêter, on les jette en prison. They get arrested and thrown into Et dans prison. La prison, on les met dans la prison de la prison. In prison, they put them in the prison of the prison. Leurs pieds dans des troncs troués. In their feet on trunks that have holes. Pour qu'ils puissent pas échapper. So that they cannot escape. À ce moment-là. At that point, aucune église était implantée en Europe. There was no church in Europe. Paul ne pouvait pas savoir. Paul could not have known que tous les troubles qui étaient en train d'arriver. That all this trouble that were happening sera la naissance de la première église en Europe. Was the birth of the first church in Europe. Il savait pas. He did not know. Alors au milieu de la nuit. Now in the middle of the night, ils ont commencé à chanter. They started singing praises. À chanter. Singing. Vous savez,
les deux peuples dans le monde qui chantent bien. You know the two people in the world that sing well. C'est les noirs américains et les noirs sud-africains. It's the black Americans and black South Africans. Vous savez pourquoi? Do you know why? C'est la seule arme qu'on pouvait avoir lorsqu'il y avait la domination. It is the only weapon that we could have had during oppression. Lorsqu'on est écrasé, when you are crushed, lorsqu'il y a l'injustice, when there's injustice, la seule, c'est comme ça, vous êtes les meilleurs. That's why you are the best. Quand vous chantez, c'est vraiment chanter. When you sing, it's truly singing. Parce que c'est la seule arme. Because that's the only weapon. Et Paul et Silas ont commencé à chanter. And Paul and Silas started singing. La Bible dit Dieu habite son trône. The Bible says God inhabits his throne. La terre c'est son marchepied. And the earth is his footstool. Quand quelqu'un entend une belle mélodie, when somebody listens and hears a beautiful melody, deux choses. They move two things. C'est la tête et les pieds. It is the head and the feet. Et quand la louange montait vers Dieu, and when the praises were wrong, Dieu a to God, bougé sa tête. God shook his head. Et comme la terre c'est son marchepied, and because the earth is his footstool, son doigt a touché la prison. His finger pushed the prison wall. La prison était secouée. The Bible says the prison was shaken. Mais ce n'est pas ça mon histoire. But that's not my story. Mon histoire, that's not my focus. C'est quand les geôliers, my focus is that gardien de la prison, the guardian of the prison, the jailer, voit que la prison prend, notices that the prison les is shaking, portes sont ouvertes, and the gates are opened. Il comprend pas ce qui se passe. He did not understand what happened. Et il veut se donner la mort. And he wanted to kill himself. Paul a crié. Paul screamed. Et c'est le cri de beaucoup de gens ici. And that is the scream and the shout of many here. Il dit, nous sommes tous ici. He says, we are all here. Les gens peuvent critiquer. People can criticize. Les gens peuvent dire. People can say what they want. Il y a des gens qui disent ici. There are people that are here. Ils disent, nous sommes tous ici. That are saying, we are all here. Ne vous donnez pas la mort. Do not die. Do not kill yourself. J'étais venu dans cette église malade, le Seigneur m'a guéri. I came to this church sick and the Lord healed me. Dis à ton voisin, nous sommes tous ici. Tell your neighbor, we are all here. Nous sommes tous là. We are all here. C'est notre maison. This is our house. C'est notre maison. This is our house. C'est notre maison. It is our house. Nous sommes tous ici. We are all here. Ceux qui ont manqué les parents, those who did ils not ont have trouvé parents, la consolation they ici. Found comfort here. Ceux qui avaient faim, those who were hungry, ils ont mangé ici. Were fed here. Ceux qui n'avaient pas le sens à leur vie, those who had no direction ils to ont their trouvé life, ça ici. They found direction here. Dis à ton voisin, nous sommes tous ici. Tell your neighbor, we are all here. Nous sommes tous là. We are all c'est here. C'est notre maison. This is our house. Asseyez-vous, s'il vous plaît. You may take your seat. Il dit, la sagesse a bâti sa maison. It says, wisdom built a house. Elle a taillé ses sept colonnes. And has shaped its seven pillars. C'est sept colonnes. Its seven pillars. La sagesse ne bâtit pas seulement. Wisdom doesn't only build. Nous sommes amis. We are friends. Nous sommes prophétiques. We are AMI. We are prophetic. Nous avons nos colonnes. We have our pillars. Nous croyons au miracle. We believe in miracles. Nous croyons à un Dieu qui fait des choses. We believe in a God that does astonishing things. Dis à ton voisin, ça c'est notre colonne. Tell your neighbor, this is our pillar. Non, tu le dis pas très bien. Dis, ça c'est notre you're colonne. You're not saying it well. Say, this is our pillar. Lorsque nous sommes sages, when we are wise, nous allons garder cette colonne. We will keep this pillar. Amen. Amen. La sagesse, wisdom,
bâtit. Builds. Je vous propose de lire un roi chapitre 10. Please let's read 1 Kings Je chapter 10. Je suis en train de terminer. I'm about to land. Quand vous lisez la Bible, when you read the Bible, il y a un homme qui a la réputation d'être sage. There is a man who has the reputation of being wise. Et son nom c'est Salomon. And his name is Solomon. Un roi chapitre. 1 Kings chapter. Un roi chapitre 10. 1 Kings chapter 10. Pourquoi les gens vont continuer à venir ici? Why will people carry on coming here? Même la reine de Sheba. Even the queen of Sheba. La Bible dit, the Bible says, que la reine de Sheba, that the queen of Sheba, c'est une monarque. She's a monarch. Elle vient d'une dynastie. She comes from a dynasty. Il a des affaires d'état. She has affairs of the state. Des choses importantes dans sa vie. Important things in her life. Où il n'avait pas de réponse. Where she did not, she could not find answers for. Et il apprend. And she heard qu'il y a un homme sage that there is a wise man qui s'appelle Salomon. Named Solomon. Donc elle a pris toute sa cargaison, so she took everything of hers, pour aller vers Salomon. To go to Solomon. La Bible dit la reine de Saba, the Bible says Saba the queen of Sheba, la renommée, heard of the fame Salomon. Of Solomon, la renommée, the fame. Ça commence pas par le pasteur Alpha Lukao. It la renommée. It did not start with Pastor Alpha Lukao. La the fame. Renommée. The fame. La renommée. Fame. Que possédait Salomon. That Solomon had. Et la gloire de l'Éternel. And the glory of the Lord. Elle vint. She went. Pour l'éprouver. To test him. L'église ici. This church. C'est ça qui se passe. This is what's taking place. On est éprouvé. We are tested. Testé. Tested. Éprouvé. Tested. Testé. Tested. La reine a quitté l'Éthiopie. The queen left Ethiopia. Elle a fait un long voyage. Through a long trip. Elle a appris la renommée de she Salomon. Heard of the fame of Solomon. Elle arrive. And she comes. Elle veut éprouver. Wanting to test. Et elle éprouve par quoi? And how does she do it? Par des énigmes. Je ne sais pas comment en anglais on les dit. And she does through hard questions. Well, or well, enigmas. The hard questions. Hard questions. Des questions difficiles. Difficult questions. Nous sommes en train de gérer dans cette église des questions difficiles. We are managing difficult questions in this church. Dans des familles. In our families. Il y a des discussions. There are disputes. Les amis s'éloignent. Friends distance themselves. Chacun a son opinion. Everyone has their own opinion. Nous sommes. We are. En train d'être testés. We are being tested. Et nous devons répondre à des questions difficiles. And we have to answer difficult questions. Comme j'aime le français plus que l'anglais. How much I love French more than English. On appelle ça énigme. We call it enigma in English. Cela veut dire. Meaning. Des questions quand cela se pose. Questions that when they are posed. Tu ne sais pas comment répondre. You don't know how to answer them. Tu as raison. You are right. Mais tu ne sais pas les prouver. But you can't prove it. Les mots sont maladroits. Words are insuffisants. And not enough.
Tu n'as même pas encore 40 ans. You are not even 40 years. Le monde entier s'écroule sur toi. The whole world comes down crushing on you. Et tu dois te tenir pour répondre. And you have to stand and answer. Et surtout lorsque la politique s'en mêle. Especially when ici, politics gets involved. On parle pas d'un pasteur, on dit la reine. Here they're not talking about a pastor, they're talking about a queen. This is politics. This is an affair of the state. Éprouvé, tested, et il devait répondre à des hard questions. And he had to answer hard questions. Quand vous regardez notre continent, l'Afrique, when you look at our continent, Africa, ça a la forme d'une interrogation. It looks like a question mark. Et le point, c'est ici. And the dot is here. Because when you put a question mark, point, pour que ça soit vraiment question, the dot for it to be a question mark, c'est ici. Is here in South Africa. L'Afrique du Sud. South Africa. C'est lui qui porte le point qui fait le question mark. It carries the dot that makes a question mark. C'est pas l'Algérie. It is not Algeria. Ni l'Égypte. No Egypt. Ni le Congo. No Congo. Quand Dieu te place ici. When God places you here. Alléluia ministries. Alléluia ministries. Tu dois répondre à des questions énigmatiques. You have to answer to enigmatic questions. Mais but la reine est très mal tombée. The queen had it bad. Elle arriva à Jérusalem. She got to Jerusalem avec une forte suite nombreuse. She came with a great retinue. De toute ma vie, je n'ai jamais vu la télévision, la radio. For my whole life, I've never seen TV and radio. Engagé par rapport à une église. Committed to just one church. Soyez heureux. Be happy. Soyez heureux. Be of good cheer. Dis à ton voisin. Tell your neighbor. Tu ne peux pas manger du miel sans les abeilles. You cannot eat honey without bees. Si tu veux du miel, if you want honey, surtout les hommes qui appellent leurs femmes honey, especially men who call their wives honey, il faut les abeilles. They face bees. Et pour faire du miel, il faut pas seulement un seul abeille. And to make honey, you don't only need one bee. Il faut beaucoup you des need abeilles. Many bees. Et cette église, and this church, Anaï, ses abeilles, has had its fair share of bees qui ont piqué de partout, that have stung everywhere. Mais c'est pour le miel. But it is for honey. It was la all for honey. Wisdom says, de ce qui tue, from what kills, est sorti de ce qu'on mange, came what is eaten. Les choses que nous vivons, what we are going through, ça détruit. Destroy. Mais nous, ça va faire sortir. But as for us, it will bring out. La Bible dit, la terre était en forme vide. The Bible says that the earth le was shapeless and void. Sur la surface and de la darkness terre was all over the world. Et Dieu a dit que la lumière soit. And the God said, let la there be light. Est sortie du ténèbre. Light tout ce que came vous êtes out of en darkness. Train de vivre. Everything we are going through, ce n'est qu'un emballage. It is only a wrapping. Il y a la lumière là. There is light in it. Ça va sortir. It will come out. Alors, la reine, asseyez-vous. La reine. The queen. La Bible dit,
une grande quantité d'aromates, a de great l'or, quantity de, of aromates, de gold, pierres précieuses. Precious materials. Elle s'est rendue auprès de Salomon. She went to Solomon. Et lui dit tout ce qu'elle avait dans son cœur. And told him everything she had in her heart. Dans ma vie, in my life, j'ai passé l'une des plus grandes crises de ma vie il y a des années. I went through the biggest crisis of my life many years ago. La conclusion que j'avais tirée, the conclusion I came to, que je connaissais Dieu, that I knew God, je connaissais le diable, that I know the devil, je connaissais les anges, and that I know angels, le Saint-Esprit, the Holy Spirit, mais c'est lui que j'ignorais, but one I did not et know, que je ne connaissais pas, and that I did not know, c'est l'homme, is man. Mais au travers, but through, de cette situation-là, this situation I went j'ai through, j'ai appris la complexité de l'homme. I understood how complex a man il can peut t'embrasser be. Aujourd'hui. He can kiss you today. Il peut te cracher demain. And crush you tomorrow. L'homme est complexe. Man is a complex being. Quand je suis arrivé à ça, when I came to that conclusion, Dieu m'a donné mon diplôme. God gave me my diploma, my degree. I maintenant, graduated. Ça me fait plus rien. Now it doesn't matter to me anymore. Notre pasteur, our pastor, Jésus a dit quelque chose. Jesus said something. Il a dit, on m'a tellement frappé. C'est écrit dans Ésaïe. I've been struck so much. It's in Isaiah. Après avoir reçu des coups, after receiving all these blows, il dit ceci. He said this. Mon visage s'est transformé en un caillou. My face became like a stone. Maintenant, viens encore frapper. Now come hit me again. Nos visages là. Our faces, these our faces. C'est comme les cailloux. It's like stones. Regardez. Look. Et la pose, nous avons le cœur a été révélé. Ce problème nous permet de voir le cœur. This problem allowed us to see the heart of people. Parce que dans une relation, but because in a relationship, il y a l'arithmétique. There's arithmetic. Il y a les additionnaires. There's additions. Il y a des multiplicateurs. There are multipliers. Il y a des soustraits. There are those who subtract. Et il y a des diviseurs. And there are dividers. Mais c'est seulement quand il y a des situations comme ça. But it's only when there are situations que like tu this, vas connaître le, tes multiplicateurs, tes diviseurs, that you tes know soustraires, the dividers, the subtractors, parce que ça révèle le cœur. Because it reveals the heart. La femme a parlé avec son cœur. The woman spoke her heart out. Mais pourquoi je demande la sagesse? But why am I asking for verset wisdom? 3. Verse 3. Verset 3. Lisons-les tous ensemble. Verset let's 3. Read it together. Allons-y tous ensemble. Let's go together. Allons-y. So Solomon alléluia ministre, ça c'est votre portion. All her questions. Allez-y. There was nothing so difficult for the king. Il aura des questions dures. There will be il many aura questions. Des questions énigmatiques. There will be enigmatic des questions. Des questions que les médecins ne pourront pas résoudre. Questions that doctors cannot que answer. Que la science n'a pas prévu. That answer has science mais does not have. Mais la sagesse que Dieu nous donnera. Qu'est-ce que la Bible dit? But the wisdom of God will give us. À haute voix tous ensemble. Let's Salomon. Read together. Solomon. Salomon answered all her questions. Oh. All. Après tous ces choses. After all these things, toute question, it is said, allons-y, à haute voix tous ensemble, let's read together. Salomon. So Solomon answered all her questions. There was nothing so Terrasse difficult. Il n'y avait nothing. Rien. Il n'aura aucune situation. There will il be no situation. Question. No question. Lorsque l'homme de Dieu va prier, nous revêtir de la sagesse de Dieu. When the man of God will pray je and build us with the wisdom. Question. There will be no question. Il aura ni question difficile. No difficult question. Et qu'est-ce que la Bible dit? For the king
que le roi ne pouvait pas répondre. That the king could not answer. Asseyez-vous. Please take your seat. Donc, so, ça veut dire it la means sagesse, wisdom, c'est la capacité de résoudre. Is the ability to resolve. Aucun problème ne restera insoluble. No problem will remain unsolved. Mais qu'est-ce qu'elle me dira, mais? But someone might say. Mais ici on parle pas de construire. But here they are not talking about Salomon building. Salomon répondit à toutes ces questions. Solomon il y a rien que le roi Salomon n'a plus expliqué. There was nothing that Solomon could not explain. Lisons maintenant le verset 4. Let's now read verse 4. À haute voix très fort, 4. Verse 4. 4, allons-y. And when the queen of Sheba had seen all the wisdom of Solomon, their house that the he had house that he had built. The house. La maison. Il n'a pas seulement entendu la sagesse. She didn't not only hear the wisdom, mais il a vu la sagesse. She saw wisdom. Par ce que nous construisons. Through what we build. Quand nous allons construire. When we build. Les gens verront la sagesse. People will see wisdom. Amen. Amen. Allons rapidement pour terminer. Let's go quickly to finish. 1 Corinthiens chapitre 3. 1 Corinthians chapter 3. Verset 10 à 11. Verse 10 to 11. Parce que quelqu'un me dira, ce n'est que l'Ancien Testament. Someone might say that was the Old Testament. Vous avez la chance d'écouter quelqu'un qui a les deux pieds dans l'ancien et le nouveau, qui regarde partout. You have the fortunate to listen to someone who has both his feet in the Old and in the New Testament. Chapitre 3, vous avez trouvé? 1 Corinthians chapter 3. Chapitre 3, qu'est-ce qu'on dit? What does it say? Chapitre 3, verset 10 à 11. Qu'est-ce 10 to 11, what does it say? According to the grace of God with gift. Allons-y. As a wise master builder, I have laid the foundation. Give as, to me as what? As a wise. As who? A wise. The wise. The wise. A wise. Et qu'est-ce qui vient après wise? And what comes after wise? Master builder. Donc quand tu es wise, so when you are wise, tu dois construire. You must build. Si tu ne construis pas, if you do not build, tu n'es pas wise. Then you're not wise. Il dit, j'ai placé les fondations. So I've placed foundations. L'apôtre a placé la fondation. The apostle laid the foundation. Et il ajoute que chacun, nous tous ici, and he adds that let each one attention comment nous construisons. Mind how we build. Parce que on moi, it. Moi, je m'en fous de ce que les autres disent. Because I don't care what others say. Nous sommes dans des pays démocratiques. We're in a democratic country. Chacun peut utiliser sa langue comme il le veut. Everyone can use their tongue as they wish. Moi, c'est ici. Me, my concern is here. Vous qui êtes ici. You that are here. Écoutez. Listen. Il dit, he says, lorsqu'on voulait vendre Jésus, when they were about to sell out Jesus, il dit, Judas Iscariot. C'est Judas Iscariot. Au lieu de s'arrêter là, instead of just stopping there, on allait savoir que Judas Iscariot. We could have known that Judas is Judas Iscariot. Virgile, comma, l'un des douze. One of the 12. Donc, pour so, vendre Jésus. In order to sell Jesus, to betray Jesus. C'est pas seulement Judas Iscariot. It wasn't only Judas Iscariot. Ça doit être l'un des douze. It had to be one of the 12. Vous qui êtes là autour du pasteur. You that are here surrounding the pastor. C'est votre attitude. It is your attitude. C'est votre opinion. It is your opinion. C'est votre
comportement, your behavior, qui sera le plus déterminant. That will be the more determining. Jésus-Christ dit ceci. Jesus Christ says this. Qu'est-ce qu'on dit de moi, fils de l'homme? What are the people saying about ça, me? Ça c'est les opinions. That is the opinion. Ah, tu es comme Jérémie. Yes, you are oh, Jeremiah. Tu es comme Ézéchiel. You are like Ezekiel. Ah, tu es comme ceci. You are like this one. Mais Jésus dit. Jesus says. Ah, votre pasteur c'est un fétiche. Your pastor is ah, non, a magician. He does magic. Mais on n'a aucun pouvoir sur ça. We have no power. We cannot control what people say. Jésus le regarde. Jesus looks them in the fou. Eye and says, "What about you? Qu'est-ce que vous dites de what moi? Do you say that I am?" C'est ce qui est important. C'est ce qui est important. That is what matters. C'est ce qui est important. That is what matters. All that matters. Luc chapitre 6. Luke chapter 6. Verset 47. Verse 47. Pose la question à ton voisin. Est-ce que tu es l'un des douze? Ask your neighbor this question. Are you one of the 12? Parce que pour qu'ils arrivent à savoir là où se trouvait Jésus, because for them to know where Jesus was, il fallait l'un des douze. It required one of the 12. Luc chapitre 6. Regardez Luke, chapter 6, comment se comporte. Look how behaves un homme sage. A wise man. Verset 47. Verse 47. Je vous montrerai à qui est semblable tout homme qui vient à moi, attend mes paroles et les met en pratique. Verset 48. Verse 48. Il est semblable à un homme. He is like a man. Matthieu dit. Matthew says. Un homme sage. A wise man. Qui bat à un homme. Bâtissant une maison. He is like a man building a house. La sagesse ne bâtit pas seulement la maison. Wisdom doesn't only build a house. La sagesse ne met pas seulement la fondation. Wisdom doesn't only lay the foundation. La sagesse ne met pas seulement les colonnes. The wisdom doesn't only put pillars. La sagesse. But wisdom. C'est la capacité de creuser. Is the ability to dig. J'entends quelque chose. I hear something. Au sujet de mon pasteur. Concerning my pastor. De mon église. My church. Je ne bâtis pas là-dessus. I will not build on that. Il faut que je creuse. I must dig. Il faut que je puisse creuser. I must dig. Je n'agis pas d'une manière épidermique. I do not act like in an epidemic. Je n'agis pas par opinion. I do not act according to c'est opinion. Pas par instinct grégaire comme des animaux. Not like an animal instinct. Avant que je construise, before I build, je dois d'abord creuser. I must first dig. Creuser. Dig. Bien-aimé, beloved, le monde est détruit aujourd'hui. The world is destroyed today. Simplement parce que les gens ne prennent pas le temps. Because simply because people do not take the time to be wise, à creuser, and build and dig. Particulièrement nous les Noirs. In particular us black people. Si il y a un événement qui passe ici, nous allons fuir. Pa, 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 pa. If there's an event that were to take place here, we're all going to run away. Et on te pose la question, qu'est-ce qui se passe là-bas? And they ask you a question, what is happening there? Je ne sais pas, mais I don't know. Je ne sais pas. I don't know.
Mais tu ne sais pas pourquoi but tu fuis. You don't pourquoi know why you're running. Tu as pris la poudre d'escampette. Why are you running? Sur quoi tu as fondé? On what have you built? Il a creusé. It says that he dug. Parce que les maisons de l'époque, because homes back then, on ne mettait pas des pierres et après on construit. You would not just il faut creuser. You have to dig. Quand vous allez en profondeur, and when you go deeper, creuser, deep, creuser deep, en profondeur, digging, deeper. Quand il a creusé, and after digging, il a trouvé quelque chose de solide. He found something solid. Le roc. A rock. M'ont posé beaucoup de questions. People asked me many questions. Je ne peux pas répondre. I cannot answer them. Parce que Facebook, c'est l'arbre de connaissance du bien et du mal. Because Facebook is the tree of the knowledge of good and bad. Si tu manges, if you eat of it, de cet arbre simplement, if you eat of it only, il faut creuser. You must dig. Poser la question. Ask questions. Pas une opinion. Ça, c'est ma maison. Not an opinion. This is my house. Je travaillais pas. Je suis venu ici. Je trouvais le travail. J'étais malade. C'est ici. J'étais guéri. I found a job here. I was sick. C'est ici. Je me suis marié. C'est ici. This is where I got married. C'est ma maison. This is my house. Donc, je peux pas agir. I cannot act sans creuser. Without digging. Creuser. Dig. Et quand il a creusé, and after he dug, il a trouvé le roc, he found the rock, il a construit, and he built. Vous êtes là. You here? L'inondation est venue. The flood came. L'inondation est venue. The flood came. Ça veut dire, même meaning, si tu l'invites pas, even if you do not invite it, elle va venir. It will come. L'inondation est venue. The floods came. Le torrent s'est jeté. The streams beat. C'est ce que nous vivons dans cette église. This is what we are going through in this church. L'inondation est venue. Floods came. Les torrents se jetaient. The streams came and beat contre against cette maison. That house. Mais comme c'était bâti dans la sagesse. But since it was built on wisdom. Comme c'était bâti dans la sagesse. And since it was built on wisdom. La Bible dit. The Bible says. Si vous ne savez pas rire, imitez-moi simplement. If you don't know how to laugh, just imitate me. Ou si tu ne ris pas, donc tu n'as pas bien brossé tes dents. Or if you did not laugh, then you did not brush your teeth well. Qu'est-ce qu'on dit quand l'inondation est finie? When the floods rose and the streams beat against that house, la maison s'est détruite. Was the house destroyed? Cette maison sera détruite. Will this house Est-ce be destroyed? Cette maison sera détruite? Will this house be destroyed? Est-ce que cette maison will sera this house détruite? Be destroyed? Est-ce que je peux entendre un autre fort non? Can I hear a big no? No.
sommes bâtis we sur le roc. Are built on the rock. Et ce roc, c'est Christ. And this rock is Christ. Je dis ce roc, c'est Christ. And I say this rock is Christ. Je dis ce roc, c'est Christ. I say this rock is Christ. Je dis ce roc, c'est Christ. I say this rock is Christ. Je dis ce roc, c'est Christ. I say this rock is Christ. Sans pouvoir l'embraler. Without having to break it. Parce qu'elle était bien bâtie. Because it was well built. Amen. Amen. Mais je vais pécher. J'ai dit c'était le dernier verset, mais je pêche en vous donnant encore un dernier. I'll sin by telling. I said that it was the last verse, but let me give you another one. 1 Corinthiens chapitre 1 verset 30. 1 Corinthians chapter 1 verse 30. Je vais demander majestueusement à l'ange de l'église de venir pour demander la sagesse de Dieu qui le répande sur nous. I'll ask the angel of the house to come and ask for Mais God's lisons wisdom. Ce passage, But let's ensemble. Read the scripture together. Qu'est-ce qu'il dit? What does it say? Allons-y tous ensemble. Let's go together. But of him you non, are... Non, arrêtez. Dites-le très fort. Say it loud. Allons-y. But of him you are in Christ Jesus... We become what? For us wisdom from God and righteousness and sanctification and redemption. Woo! Que Dieu vous bénisse. May God bless you. I can't hear you. Celebrate Jesus. You are Alpha and Omega. We worship you, our Lord. You are worthy to be praised. Sing it again. You are Alpha. You are Alpha.